Yon l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. La responsable de l'électricité d'Haïti, comment vous êtes capable de produire à grand plus courant dans le pays. À travers plan ça, responsable dans l'IDEAL dit viser à partir 2030, Paris Civil, coordonnateur général production dans l'IDH, présenté plan mercredi 13 avril 2022. Donc ça décide ça justement, il y a quatre catégories là-dedans. Un plan à très court terme, un terme et un plan à long terme. Quel est l'objectif de ce plan? Et le service à la clientèle. Et pour arriver à améliorer cette qualité à la clientèle-là, nous avons trois axes de production, axes de commercialisation, EDH, rentrer tout employé net, nous faisons faisceau pour réfléchir, parce que tout le monde est capable de travailler sur cette structure, pour nous réfléchir justement, pour nous aider à faire une population sans immigration. Pour nous capables de vivre, vous ne pouvez pas savoir, ma baisse de consommable. Je prends un ballon de petit boule. Quatre ou trois, pendant trois mois, nous avons 3 millions de gallons de gaz. Donc, 110 MW, nous avons un ballon en termes de puissance installée, nous avons 210 MW. Pardon. Et le travail que nous avons fait là, c'est un travail colossal lié. C'est parce que justement, je vraiment dire nous, vraiment dire nous, je vais mettre un peu de courage, un peu d'engagement pour assurer nous que notre stratégie là, nous avons un time. Entre avril, on va l'avouer ça, pour nous même le pour la population. On s'en dit ça, nous allons travailler pour améliorer le réseau. Je n'ai pas haïtien pour résoudre le défi du pays d'Haïti. Particulièrement, question insécurité, chemin que doit suivre pour l'avenir politique du pays d'Haïti. Pour couper l'insécurité et puis mettre en place conditions pour faciliter l'élection. Instabilité, continuer à parler avec différents acteurs haïtiens pour encourager et joindre un accord sur qui sa chemin s'attouiller. Et nous, avec partenaires internationaux, pour porter ressources pour aider Haïti à construire demain mieux ça. Nous connaissons. Je souhaite aux Haïtiens qu'à mettre tête ensemble pour entendre le chemin pour mener vers l'organisation élection. Actuellement, il faut gagner des élections pour remplacer, pour mettre les gens sur vide qui gagne. Mais pour améliorer la situation de sécurité dans le pays à tout et équipe nous qui pourra venir au mois de mai et pourra commencer le travail. Il y a une équipe qui vient du pays du Canada et pays la France a aidé tout. Il y a voyé nous en France pour que Yoka joigne nous. Nous avons déjà augmenté l'assistance nous. Nous avons déjà augmenté l'assistance nous envers la police nationale. Nous avons pris l'équipement protecteur et nous avons continué à faire ça. En pile monde, et spécialement chrétien, yo, pas manger viande selon tradition. Et famille prend route marché pour acheter poisson avec diverses qualités ingrédients pour préparer manger vendredi saint avec dimanche Pâques. Nous avons fait manger, partager avec amis chaque les périodes arrivées. Quoi lié là, pas de bagaille comme ça. Ou impact sur le pouvoir d'achat population. Anissa, bagaille ou pidi, selon plusieurs machins, cap plein, yo pas qu'à vendre. Il y a des pas qu'on y a vendre 120 dollars. Et même aux gens qui ont dit non, c'est 1000 gouttes, ils peuvent vendre là, au chalet, ils peuvent occuper. Non, c'est pas un cop, mon nom à fort, nous voyons étape minan même. Mon nom à fort, vendre peut-être cop ou pas qu'à vendre. Ou pas qu'à vendre, nous étape pour manger, ou pas qu'à vendre, pas un cop. Dans la rue à Tébo, tout le monde est convaincu. Quand on n'a pas la rue, on n'a pas pris la rue encore. Il y a une grande situation plus grave, c'est le marchand de yo qui souhaite que le monde cap dirige yo prend responsabilité. Dans ce temps, il y a des cap dirige yo. Si on n'a pas dirigé, il y a des tirs et puis il y a des gens qui ont dirigé. Dirigé pour que l'on ait sécurité. Mais qui oblige de tourner des mains vides ou sinon qui n'a pas assez l'argent pour acheter quantité ça ou te vle. Fait belle manger dans la semaine. Si l'on plaisait dans le monde, ça y est, qui pas d'accord. Voyons enregistrer. Anama Jean-Wilmer Morin qui dénonçait manœuvre, il dit qu'il a fait pour affaiblir plus ses justices. Magistrat qui vient de nomination et puis raison qui fait le juge pas le nommer.
responsable de la encourager l'autorité pour tiens, juge Jean-Wilner Morin a répondu à une question Miguel Milias à Moïse Wilbitch. Écoutez. On n'a pas de président d'Haïti lorsque nous savons que pour nommer des juges à la Cour de cassation, il faut le Sénat de la République. Pour nommer des juges à la Cour de cassation, particulièrement tous les juges, particulièrement à la Cour de cassation, du président de la République. Or, on n'a pas de président de la République. Donc, nous voyons que le liste by l'exécutif. Et sur cette liste, il y a 88 avis. Le Premier ministre, dans une déclaration, a donné son accord à 58 magistrats. Il n'y a pas une nomination pour nous. Donc, sans que le Premier ministre, ni le Conseil des ministres, disons, et il n'est pas documenté, il n'est pas voyé en document by CSPJ pour nommer ces juges-là. Et les 58 juges pour lesquels accord avait été bien, et le CSPJ n'a pas reçu les 58 commissions, et figurez-vous bien, il n'a pas reçu la liste des 58 magistrats pour lesquels on a donné appel les magistrats au téléphone pour négocier la commission. Le ministre de la Justice et le secrétaire général du Palais National n'ont pas achevé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mais il y a des autorités qui appellent ces magistrats au téléphone. Donc, nous dénonçons cet état de fait et nous voyons qu'on est en train de régler la justice de notre pays. Et nous dénonçons et nous condamnons de toute notre force. Et tu as pas gagné de l'eau et auprès de l'eau encore pour une bonne population. Nous dénonçons ça énergiquement à toute force nous et nous avons demandé pour l'État central avec un branchement au niveau local, CEMA, pour prendre toute disposition, pressé pour capable régler la situation. Ça. Nous avons une cellule de communication à travers le bureau qui fait un pile réunion quartier parce que nous divisons et CEMA en 20 quartiers. Nous avons une pile réunion quartier nous fait, nous demandons nos supports. Mais il faut que je dise que il y a une grande autorité qui donne sa capacité là. Il y a une grande autorité qui a un camion qui est dans la rue à capacité de l'eau. Il y a une autre autorité qui est dans la zone là même et qui craque, qui n'a participé dans la crasse. Donc, nous avons un champ créatif et nous avons reculé devant la dénonciation qu'on est capable de faire publiquement contre l'autorité. Ça. Donc, c'est des autorités au niveau politique, premièrement. Il y a des autorités au niveau judiciaire et il y a des autorités policières. Il faut que je dise que. Côté tu as passé à son zone qui a un conflit terrien qui est enragé là-dedans. Vin fait que grand pile autorité qui dans zone là qui n'a profité à tout et yo même tout yo profité pendant yo dans zone là, yo ouais et commerce la capte là assez rentable, yo rentré là-dedans tout. Nous estimons nous-mêmes, nous pas gain assez pour gérer. C'est pour ça nous parler avec Dinepa, nous mander pour faire des interventions au niveau central, au niveau de ministère intérieur cap gérer et dégagé agent intérimaire qui a géré vice-délégué au niveau et ministère de la justice qui a géré et commissaire gouvernement la police commissaire police etc pour que on meilleur pour nous avoir une meilleure réactivité bon côté moun sa yo parce que incident passé nous perdu deux matériels pendant la fond intervention en plein droit pendant nous légalement fait intervention nous perdu deux matériels et ça que depuis le 31 mars pour que j'ai un mandat qui émet pour quiconque pour d'avoir rendre compte de ça qui passe. Alors que, il y a deux plaintes que ces âmes déposées devant le commissaire gouvernement qui identifient certaines personnes, mais mon invitation, nous ne sommes pas recevoir pour capable de répondre à la question de plaintes. En intervention, nous perdons une machine en Ford Everest et une machine 2010, ensuite on bat pour l'odeur et 2004 et Caterpillar que nous perdons dans la intervention. Et c'était un seul coup de nous avoir une chance de travail. C'est pendant que nous dévisons plusieurs sites pour nous travailler sur, parce qu'il y a plusieurs points de connexion côté nous avons vendu. Plusieurs côtés au cas où il y a 22 dans le camion. Mais nous avons ordre pour nous attaquer point et c'est notre premier dérivé et puis nous avons subi attaque ça qui vient faire que le matériel est perdu. Il faut que je dise que entre ces armes et population 4e section, toujours bon torchon qui a boulé depuis longtemps. Parce que 4e section toujours demandé certaines redevances à travers l'État haïtien, étant pour route, étant pour l'école, etc. Et on toujours dit nous c'est de loi qui a gagné dans la zone, c'est sous de loi qui a fait pression pour être capable de vendre ça au besoin. Donc, depuis leur contrat a commencé en 2009,
toujours gain sabotage et toujours gain un paquet et pas l'empile entre population en roi et ses âmes dans quatre salles. Le problème dans ce temps pour comme moi dit, c'est le monde qui a travaillé par exemple pour le service, le travail, c'est méchant. On dit mon capteur va être proposé par un non plusieurs mon qu'on fait des autres là qu'on vient parler en pile là bon même là il est à remonter là ça passe il est à monter donc mais tout parler avec le peuple là en prenant il parle avec là il considère il dit après tout nous parle en fait donc pour même si au bout de quoi donc ça pour une bagaille c'est moi qui ai dit pour aller dire bah ça on va le faire pour qu'il fasse le bail moi même c'est que forme de ça et pas qu'on est messieurs qui s'abordent les gens bâton ça veut dire nous connaissons bagaille tout le monde fait des autres paroles mais donc on pas connaît pas connaît si nous on connaît des gens qui ont saboté les droits civiques donc on connaît chaque monde dans en ligne des autres dans la majorité monde qui en aussi là il y a la ville là du Haïti là on pense à maison là à de que dit il y aura même frère somme tout à souffrir par rapport de droit même qu'à vivre aussi là parce que finalement quand on m'a tout ça moi son petit temps une faire là et moi une petite faire parisien en République dominicaine et bah il boit ici mais ça fait là pour moi-même li pas ouais li bon son bail qui bon li bon bail qui bon et c'est que li ta doué exactement et faire chercher et moun qui fait là exactement parce que le sac pour yon bail qui pas bon li fait et nous joignons moun qui fait là l'autre sac ta pour venir faire là après il doit prendre exemple pour le pas faire le pas faire c'est que li côté il faut exactement yon fruit pour zone là parce que simplement yon levé yon wel yon levé yon wel et tout le monde saisit ça de ça fait là généralement problème de l'eau nous pas énumérer depuis qui l'heure li commencé mais nous gain plusieurs mois depuis que nous tombé dans dossier de l'eau et ça vient arriver hôtel là presque pas qu'à fonctionner nous tombé dans payer camion de l'eau $1,000 à $1,200 haïtiens presque chaque semaine. Des fois, un camion de l'eau pas qu'à faire nous, même 2 à 3 jours selon fréquentation hôtel. Donc, nous t'arrêmes pour dîner par sésame. Toute autorité, on mettait ensemble pour résoudre le problème là parce que le problème de l'eau a affecté nous-mêmes personnel nous en pile sur le marché là. Bon, mon zone n'a plein de ça tout parce que en pile, des fois, c'est nous-mêmes qui supportons. Non, leur gain faiblesse ça mais nous-mêmes nous vinn pas ca aider yo parce que nous-mêmes nous pas gain suffisamment quantité pour nous ta fonctionner même pour business ta fonctionner donc ce problème ça donc ce problème bon moi pas vraiment connais ce problème là mais moi tenté dans les coulisses que c'est et dossier mon et autre marque qui infiltré un paquet problème que moi-même moi pas décidé parler de et ils ont quoi des bouquins qui finit et bien dans un état qui est différent de gens qu'on habitué et bien fini journée donc comment ça a été hier et Stéphanie faut qu'on dise que et bien hier dans la mat alors vers les 11h et bien pour et midi et bien il y a enlèvement qui fait dans la commune là côté que et bien et ils ont enlevé 3 employés ou AGCT hier et bien et dans la commune quoi des bouquets Stéphania et pour et continuer vers les 1h et bien t'as gagné une situation qui t'apprend la développer dans la commune là côté que il y a plusieurs blessés par balle et parmi blessés il y a gagné la dedans que là et même et rentre avec eux dans le commissariat Stéphania donc faut que nous disons que opération Silayo et d'après information que nous gagnons que nous mêmes jusqu'à présent Stéphania nous pas capable vraiment arriver identifier mais faut que nous disons que c'est une vraie information que c'est à DCPJ mais faut que nous disons il y a pas marché sous machine et bien et la police a adopté machine privée et plaque privée. Donc là nous dit machine privée, plaque privée, donc c'est patrouille et bien et avec l'autre machine que nous constatons espace là vraiment. Mais information que nous joignons, que nous pas capables de identifier et toujours jusqu'à présent là, c'est confirmé vraiment jusqu'à présent. Si c'est le stade de CBG, mais information nous gagnons, fait nous. Qui vraiment qui devine mener opération ça dans parce que côté que nous-mêmes nous constater vraiment qu'ils ont blessé par balle donc citoyen ça lui-même il était blessé dans la jambe et bien la police était tout
rentrer avec lui dans le commissariat, mais faut que nous disions tout, c'est qu'il y a un usage abusif de eh bien, gaz lacrymogène. Hier, dans le coin des bouquets, faut que nous disions que ben, nous-mêmes qui étions sur place, nous passions un très mauvais moment hier, eh bien, dans le coin des bouquets, en bas, gaz lacrymogène. Donc, comment, eh bien, ça y est vraiment pour matin, il faut que nous disions que en fait, qui participent et parler de nos derniers jours, ça y est, dans le coin des bouquets, eh bien, jusqu'à matin, il faut que nous disions que Stéphania a gagné un prado blanc, eh bien, et nous n'en quoi de bouquet. C'est une information vraiment que nous sommes capables de demander eh bien, avec la population chrétienne, nous sommes capables de faire en pile prudence et vigilance dans le moment où il y a pas de quoi de bouquet. Dans le moment où nous parlé à là, nous sommes capables de renforcer surtout présenté dans la commune Guadé Bouquet dans le moment où on a parlé à là, parce que c'est en commune, eh bien, des pouvoirs qui, eh bien, prennent l'autre route dans le moment où on a parlé à là avec ça de rapport avec kidnapping. C'est toujours qu'on a enregistré kidnapping, mais ce n'est pas dans cette ville-là, dans Guadé Bouquet, donc c'est toujours, eh bien, sur route nationale numéro 8 là. Et puis, pour nos cités, et zone Torsel, zone Tayo, surtout qui fait qu'on gagne un cas kidnapping qui est enregistré, mais faut qu'on dise, et ni juste en parlant de guerre, eh bien, je vois le bouquet vraiment qui a enregistré kidnapping, et jusqu'à matin là, faut qu'on dise que Guillaume Prado Blanc cap levé moun dans quoi des bouquets. En plus, donc comment ça y est, tout ça qui a un rapport avec, eh bien, activité, faut qu'on dise que activité, nous avons à la son commune qui levé en soleil, écoutez que, hier soir, Stéphanie a été sous la pluie tombée sous commune là. Eh bien, et soleil là qui levé matin, vraiment éclairé. Et donc, comment ça y est pour ça qui rapport avec l'activité commerciale? Et bien, pour nous, Stéphanie, toute activité dans la zone là vraiment a fonctionné. La signalé route nationale numéro 8 là, Stéphanie, eh bien, et vous participez, alors monsieur Ameyo et monsieur Captain Marozio qui participent détourner camion sur route là, n'a demandé, eh bien, avec ma chaîne, yo, pour être capable de porter en pile vigilance sur route nationale numéro 8, là, pour citer route Kota Michaud Duval, la Tremblay, pour arriver dans ces zones si là, pour nous porter en pile vigilance, dans le moment où on a parlé à la Stéphanie. Donc, comment ça y est, lorsque nous sommes passés dans l'autre zone, là, et pour nous citer Duval, Marassa, Marassa 15 et Santo, pour nous dire hier soir, dans Santo, il y a un citoyen, eh bien, qui est arrivé tomber en bas-balle, bandit, dans Santo 19, là, eh bien, Stéphanie. Donc, il y a un citoyen que nous pas arrivé et lever identité, alors, identifier lui. Eh bien, il faut que nous disions que si toi, ça tombe en babal, bandit, mais d'après l'information que nous gagnons, c'est qu'il y a un responsable, il y a un syndicat ou une organisation, c'est Fabien. Donc, comment ça est pour activité dans la zone Silario? Donc, toute activité dans la zone Silario, il a fonctionné et nous ne pouvons pas suspendre, lancer appel là-tout avec la route publique pour nous capables de voyager sur route Sayo pour une cité et route Santoro avec route BDA, eh bien, route Sayo qui n'est pas bon, dit tout dans le moment où on a parlé à la Stéphanie. Voilà, c'est comme ça, eh bien, actualité à lever pour commune. Okay. Il y a une question, nous pouvons répondre avec question, mais si pas une question, nous, là, tout à guerre avec information, nous sommes capables de pour nous capables de former du droit. Eh bien, Henri, l'élevé matin un peu bien, et nous capables de dire l'élevé dans l'ordinaire, nous sommes capables de dire depuis bien bonheur dans le matin que nous avons remarqué et plusieurs mounis qui ont même été absortis pour aller vaquer avec activité, et surtout que nous connaissons, je dis assez, et je n'ai marché au poteau et marché que mon ami lui-même yo fréquenté et en pile et même là et dans le dernier moment que n'a parlé là par rapport avec production et local là qui vraiment baissé mon ami qui lui-même pas gagné et des produits pour aller échanger dans marché là, mais quand même yo qu'on a acheté et chaque lui-même yo besoin nous capable dire et c'est un marché qui vraiment fréquenté par population et ennoisa et sur le plan juridique nous a essayé de parler ça et dernièrement nous capables de dire et notre tribunal de paix est mignon et gagné un juge Edline qui fait juge titulaire et tribunal de paix a, qui même pas vint travailler à cause d'un gros mouvement et levé campé que et moun en aidant et population a fait contre lui pour dire et que lui-même lui fait toute bagaille
en dedans tribunal là sauf toi et bien question ça qui t'a et prend union en plein nous capable du tout gain quelques autorités eux-mêmes qui n'a qui vient à ouais avec question et selon toute dernière information qui vivait venir nous et assemblée autorité ça yo gagnent et moun pa yo nan portio que yo voulez mettre et nan tribunal de paix là et bien question ça qui t'a permettre que gagnent plusieurs nous tout qui a cité pour que vous-même vous avez vu nous remplacer juge Edline. Et donc, nous sommes capables de tout et nous qui fait écouter dans les communes et Plaisance, communes Limbé, et nous sommes capables de dire que nous faisons dans les communes Chaillot et nous sommes capables toujours décrire la situation. Mais route là que la population lui-même décrié, c'est une route qui est vraiment pas bon. Et il faut me dire que si pas gagné accident qui a fait chaque jour, et dans route là, c'est à va diligence ou bien précaution et chauffeur. Donc il faut me dire que route là qui est vraiment en mauvais état. Et nous avons fait un petit coup de pied dans la commune de Limbé, côté nous capables de nous rencontrer avec le magistrat et Wilbon Tayou, lui-même qui continue à parler des situations. Deux mois et quelques jours et après l'inondation qui était faite en dedans commune là, et bien Mounio toujours été dans la même situation. Mounio qui toujours été vraiment dans un état et dans le besoin. Et peut-être que nous capables de dire jusqu'à présent des petits mounes qui pas aller à l'école cause et livre, cause uniforme, cause tout ça que tu as gagné pour que tu as fréquenté l'école là, et bien qui t'a et emporté par inondation fila. Donc voilà, et studio et comment situation lui-même lui présenter. Et dans le moment qu'il a parlé là, et au capable de prendre antenne, c'est Prince Nelson Harrison depuis le département de la Tibonite. Après Black et le plus gros qui est même été fin tombé dans l'échange avec la police, et bien vient gagner un nouveau chef qui c'est Jeff. Et c'est Jeff lui-même qui a fait la terreur dans la zone canarien. Il y a une apprenne de source sûre que le monde qui va arriver à identifier prend une moto la police dans la zone canarien. Et ils ont allé avec moto la police pas de temps faire diligence pour être capable de venir. Et toujours d'après même source là, il y a un certain Jean Mévillier, c'est monsieur qui a eu problème dans le canal 5. Il a fermé le canal 2, 3, 1, en façon que pour la police, il n'est pas arrivé à entrer dans le canal 5. Qui, et même zone qui va déboucher le canal 5, il est obligé de fermer tout. Et surtout, même Moun Sayo qui a baillé la terreur dans la zone Sayo, Moun Sayo, a toujours font façon pour que Moun Canada même pas sorti dans la zone là. Mais c'est le cas de un pasteur qui lui-même qui vient l'école lui, dans la zone Canada 5, et bien qui a un certain. Et un bandit qui lui-même qui a rançonné tout le monde dans la zone là, mais parce que lui-même n'a pas bien négocié, et bien monsieur dit l'a tué plusieurs élèves pasteurs. C'est peut-être ça l'a dit snapper et dit et la police est capable de faire intervention rapide de façon pour être capable de bailler et pasteur et sécurité et l'école à tout de façon pour que les bandits ça. Pour pas arriver, c'est ça que il t'a venu à. Et surtout, nous connaissons que comment la situation est, comment et n'a pas le dans zone canard 5 à côté que le bandit lui-même. La presse, on est tout le monde, même si machine qui a fonctionné dans la zone là, eh bien, bandit, le pasteur, c'est pasteur Dimel, c'est lui-même qui a dirigé l'école ça, mais c'est monsieur que bandit a bâillé problème parce que monsieur Pavel négociait ensemble avec bandit. Monsieur passé tout cabaret pour nous, comment cabaret levé, sans problème, toute activité a fonctionné, et sur le plan commercial, tout le monde qui a été ouvert pour le sous le plan marché informel, mais nous sommes capables de dire que tout le monde a été prêt pour toi là pour que vous capable non seulement arranger le téléphone et faire tout ça. L'autre actualité qui a dominé surtout en carrière, on est capable de dire, en dehors de tout problème de salubrité en carrière,
mais à cahier tout bien un problème courant tête chargé. Nous pas connaissons si c'est 18 mai attendre pour que bah courant, mais à cahier gon gros problème courant et moun à cahier ça fait plusieurs mois que yo pas jamais contacter les courants si que yo pas gagne un système solaire. C'est et nous capable dire tout. Bien, l'autre boîte l'État qui pas fonctionné, c'est le complexe Cafou pour lui-même qui gagnait quelques boîtes en dans lui qui pas fonctionné. Nous capables de dire quand il fait passeport ça inexistant qu'on a un moment que n'a pas lancé marque. C'est seulement uni avec et parti que yo fait pour que yo capable c'est mon jeune quartier, c'est seul ça qui lui-même qui a fonctionné dans le complexe Kafoupa parce que mon taille pas payé. Pour la mairie même, c'est la même situation. Et la mairie doit plusieurs mois avec employeurs, pas de travail. C'est ça qui fait que sa liberté a les mêmes lui enragé dans la commune en Caye. Est-ce qu'il y a tant de ces 18 mai pour être capable de faire leur propre pour être capable de nettoyer en Caye? Non, pas qu'on est. Mais sauf que nous étions à suivre dans le moment opportun, nous sommes capables toujours faire signe tout ça que nous remarquons dans la zone que nous sillonnons.